Waouh! Mais que se passe-t-il au coin ici, Subana? Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir, c'est hors du commun. Est-ce que vous allez bien, mes frères et sœurs? Est-ce que vous allez bien? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans notre première vidéo story de ce matin, nous vous avons dit même, la vie qu'on a, c'est si précieuse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Merci Seigneur pour la vie que nous avons. Dis merci Seigneur mon Dieu pour la vie que j'ai, la vie que tu as. Ah ma soeur, ah mon frère, c'est pas de la blague, hein. C'est Dieu qui te l'a donné. Parce que tout pouvait arriver ce matin. Quand on parle comme ça aux gens, les gens pensent que c'est de la blague en studio. Quand on parle des trucs pareils aux gens, les gens pensent que nous sommes là pour rigoler. Ce que nous allons voir ici risque d'être incroyable. Mais mes frères et sœurs, c'est incroyablissime, mais vrai, regardez-moi ça. Que se passe-t-il ici? Personne ne sait. Tout ce que nous pouvons voir, c'est un homme qui cherche à sauver sa vie. Une voiture de course est arrivée pile là où il se trouvait dans la fossée et quelque chose de tragique a failli se produire. S'il restait juste là à quelques secondes de près, on ne parlera plus de lui. Parce que cette voiture qu'elle a est venue à grande vitesse et elle est venue pour faire des trucs chelous. Mes frères et sœurs, faites attention. C'est pas pour vous faire peur, mais à ces fins d'année là, il y a des trucs bizarres comme ça qui se passent, on ne comprend pas vraiment. Soyez vigilants et avant de sortir, priez beaucoup. Parce que ce que nous allons voir maintenant, ça va vraiment vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Regardez même ça. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous ne voyez rien, bien évidemment. Vous ne voyez rien. Mais attendez juste un peu, quelques secondes. Une moto, un homme à moto va faire un truc chelou, un truc de ouf. Regardez même ça. La personne qui est là, elle arrive comme ça, sans même savoir qu'il y a une moto qui arrive. Là, elle va fouler carrément la mort. La moto, le motard roule à grande vitesse. Comment va-t-il faire pour freiner? C'est impossible, c'est presque impossible. Si Dieu n'avait pas mis sa main ici, franchement, je ne sais pas comment ce fils serait sauvé. Regardez maintenant ça. 1, 2, 3, action! Ouh, vous avez vu ça? Elle a foulé quoi? La mort. Heureusement que ça a été filmé. Si ça n'avait pas été filmé, vous avez dit, ouh, Isubone, tu veux nous faire peur? Ah! Mes frères et sœurs, faites attention. Quand vous traversez la route, faites vraiment attention. Bon, de toutes les façons, ce sont des choses qui arrivent comme ça. En fait, tous les jours que Dieu fait, elle, avant de traverser la route, elle suit les règles. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Mais ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce genre de jours-là, ils arrivent. Ce sont des jours mauvais, des mauvais jours. Ou même ce mec était prudent, ou même plus prudent que prudent. Il y a beaucoup de choses qui les passent, qui les échappent ce jour-là. Et puis, la chose arrive comme ça. Ça arrive. C'est pourquoi nous devons même prier. Je dis seulement, oh mon Dieu, je dis Seigneur Jésus-Christ, garde-moi. Toute la journée, garde mes affaires, garde mes enfants et que ta main soit sur moi. Ne dis pas, oh, tu es trop intelligent. Ne dis pas, je suis intelligent, je suis trop fort, tout ça. Non, ça ne sert à rien. Nous sommes faibles, nous tous les humains ici, là. Nous sommes faibles. Les choses peuvent arriver, même regarde les catastrophes naturelles. Qui peut arrêter ça? Qui peut pouvoir ça? On peut dire, oh, ça va venir, mais quand ça arrive, nous tous, on est dépassés, on ouvre la bouche, on dit, ah, et on regarde ça. Donc, nous devons vraiment nous confier à Dieu dans ce genre d'histoire-là, parce que vraiment, c'est pas de la blague. Et ce que nous allons encore vous montrer, ça va vous permettre de comprendre encore deux choses. Regardez ça. Voici des véhicules qui arrivent. Et on ne sait pas ce qui ne va pas. Il a failli avoir accident. Ouh, revenez, je n'étais pas derrière, vous n'avez pas vu. Encore la même histoire. Un homme qui cherche à traverser la route, regardez. Il cherche à traverser la route sans même prendre soin de regarder s'il y a une moto qui arrive. Vous savez, souvent il y a les motards qui aiment se faufiler entre les voitures. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous voulez monter quoi? À qui? Qu'est-ce que nous on n'a pas vu? Ah, vous voyez un gars qui est venu comme ça, regardez. Lui pour lui c'est le feu rouge, tout le monde est tranquille. Ou bien c'est l'embouteillage, tout ça.
Mais il n'a même pas idée. Il n'a même pas idée qu'il y a une moto qui arrive à côté là. Regardez. Regardez. Où fait la moto? Vous venez pas là, vous allez le voir. La même chose comme ça. Vous allez voir, mes frères et soeurs. Ce sont des choses qui arrivent très rapidement. L'homme même n'a même pas le temps de réfléchir, même de... Vous avez vu ça? Vous avez vu? La moto a de justesse comme ça. Mon Dieu, ce gars-là, qu'il bénisse Dieu, quoi. Regardez un homme qui a été crié parce qu'une voiture a failli être... Ah, mes frères et soeurs, sa voiture a failli le cogner, l'écraser. Vous allez encore voir, c'est pas tout. Voilà. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ici. Personne. Quel choc pour tout le monde. Et ici, vraiment là, ce que nous allons voir, c'est la chose qui m'a le plus choqué dans cette vidéo. Mes frères et sœurs, regardez ça. Vous allez voir, un avion va quitter là-bas. Et venir jusqu'à ici. Dans des conditions bizarres. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un démon qui est assis sur les ailes de l'avion ou quoi? Parce qu'on dit que les démons aussi créent des accidents. Souvent, on ne comprend pas. Mais regardez ce qui va se passer ici. Regardez. Vous avez vu comment ce tombe à crier? Il voit même sa mort venir. Mais regardez ça encore. Regardez bien. Regardez, vous allez voir. Mes frères et soeurs, nous sommes en famille, nous devons nous porter les vraies choses ici. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, c'est ici. Écoutez. Hein. Vous avez vu comment il a crié? La vie est passée, même de justesse, même devant. Vous avez vu ça? Attendez, revenons un peu encore en arrière. Regardez très très bien, suivez vraiment très bien. Vous pouvez me poser et puis vous allez pire voir encore. Wow. Et c'est ici. Comme nous l'avons monté à l'écran, voici ce qui s'est réellement passé. La voiture est là et le monsieur est ici. Pour lui, la voiture a dérapé comme d'habitude. Lui, il est venu juste prendre une photo. Mais regardez ce qui va se passer. Revenons un peu encore en arrière. Vous allez voir. Et tout le monde crie à sa place. Tout le monde crie à sa place. Les gens même sont en train de crier même à sa place pour dire ouh, voici la mort, pardon, faut fuir. Mes frères, c'est grave. Regardez même ici. Voici encore, l'ambulance arriva. Cette femme qui est ici, elle n'a même pas pris soin de regarder à distance pour voir s'il y a un véhicule qui arrive. Peut-être qu'elle elle a fait, mais les véhicules qui étaient là l'ont caché, la vue, qui sait. Mais dans ce genre de situation, tout ce qu'on se pose comme question, ou même les choses qu'on se dit, ce sont des trucs qui n'ont plus de sens parce que c'est une situation qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Parfois, on nous dit que les démons provoquent ça. Et quand les démons font ça, ce jour-là, les victimes oublient tout. Elles oublient tout. C'est comme si elles étaient envoûtées. Regardez même ça. Regardez, vous allez dire, vous qui êtes vivant, vous pouvez dire que, ah, regardez, pourquoi elle n'a pas regardé à gauche, à la droite, elle a été traversée comme ça. Revenez à l'arrière, comme elle le voit. Vous allez dire, pourquoi elle n'a pas regardé à gauche, à droite, elle a été traversée comme ça. Regardez, regardez. Regardez. Voilà, c'est voici ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Voici un homme qui est ici. Regardez bien le gars qui est ici. Il est juste ici. Il n'a même pas idée de ce qui va se passer. Parfois, même moi, il me pose des questions, quoi. Ah,
Comment l'homme est-il limité mais dans son esprit, dans sa conscience? L'homme ne sait rien, oh, il ne sait rien. C'est parce que c'est la plage, regardez. Il est même là. Le gars, il est ici. Il ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui va arriver, il n'a même pas idée de ce qui va se passer. Il ne sait même pas, il ne sait rien de rien. Une fois même que j'étais même sur ça, rien de rien. Comme si elle savait que c'était ça, quoi. Regardez ce qui va se passer. Un véhicule va venir de nulle part. Oh, de même, le foulé. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça, regardez. Il est même là, hein. Il est même là, regardez bien. Le véhicule arrive, il n'avait pas idée, il ne sait pas ce qui se passe, regardez. Ouh! Est-ce qu'il cherchait à traverser même la route? Même pas. Il était juste arrêté comme ça. Et le véhicule est venu chier. Je ne comprends pas. Tu as arrêté même comme ça tranquillement. Et les problèmes viennent te trouver chez toi. Ça arrive. Regardez même ici. Regardez. Ce gars était aussi arrêté tranquillement. Et le problème vient lui rendre visite. Regardez encore. Vous allez voir. Regardez encore. Ça vient. Le monsieur est arrêté tranquillement ici. Hein. Pour lui, c'est le feu rouge. Et il a le droit de traverser. Mais il ne sait pas que il y a un truc qui n'a pas le droit qui vient vers lui. Ouh. Et cette chose a failli l'éliminer. Regardez même ce qui va se passer également ici. Hein. Un véhicule va juste rouler tranquillement sur sa voie, mais ce cycliste va faire, bon, j'ai dit quelque chose de bizarre va se passer là, et ce cycliste va se retrouver même, peut-être, bon, il risque même de se trouver même sous la voiture. Regardez ce qui va se passer ici, hein. Ça va aller très vite, soyez très attentifs. 1, 2, 3, action. Boum. Vous avez vu ça? Mon Dieu. Vous avez vu ce qui se passe même, ce qui vient de se passer. Jean-Louis roulait son vélo tranquillement. La voiture arrivait. La voiture ne lui a pas dit bonjour, ni bonsoir. En même temps, lui, il a levé sa tête là-bas, comme quelqu'un qui veut jouer au football, qui veut taper la tête sur le ballon. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Ce sont des choses qui n'arrivent qu'une seule fois, et très rapidement. Ah, regardez, ce que nous allons voir ici va vous étonner aussi. La fille qu'elle a là, elle fait le show. Elle montre à son copain, voilà, qu'elle peut faire des trucs extraordinaires que nous, peut-être, on ne peut pas faire. Juste pour rigoler. Et elle va faire quelque chose de vraiment terrible à ne pas faire chez vous. Ah, ce qui va se passer ici. Bon, ce qui a failli se passer ici. Ça vous fait serrer les dents comme ça. C'est dedans. Bon, regarde ça. Il va mettre sa tête dehors. Sinon, ça va qu'il y a un train à grande vitesse qui arrive. Boum! Si elle était morte sur le coup, je ne penserais pas que ce gamin serait en train de rire. Il n'a même pas trouvé la force de rigoler. Il allait ouvrir la bouche comme ça. Jusqu'à ce que la nuit tombe. Non, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. C'est pas de la blague, hein? C'est bien réel. Voici encore une autre situation qui arrive. Oh. Est-ce que vous avez vu ça? Vous allez voir. Mon Dieu. Que va-t-il se passer ici? Je n'en sais rien. Oh mon Dieu! Regardez ça! Regardez les deux personnes. Que va-t-il se passer ici? Cet homme est tranquillement en train de chercher à ranger ses trucs. Et regardez. Un véhicule va venir percuter ces deux véhicules. Et les deux véhicules. Oh mon Dieu.
Regardez cet homme qui est là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il n'a même pas idée de ce qui arrivait derrière. Oh, my God. Qu'est-ce que je dois dire pour lui? Qu'est-ce qu'on doit même dire pour lui? Attendez, regardez bien son visage. Ah, monsieur! Ah, monsieur! Quelle erreur! Quelle erreur! Il a quand même béni Dieu. Il a quand même béni Dieu. Si, Seigneur Jésus. La mort cherche les attentes, tu vas te positionner sur son chemin. Tu dis, la mort, je vais marcher sur moi. Ah, faut le rejeter, faut dire, va-t'en, je t'ai pas appelé dans ma dame. Je t'ai pas invité sur ma table. La nourriture n'est pas beaucoup. Ne viens pas. Hey, Seigneur Jésus, regardez. Allez, revenons encore. Il est tranquillement en train de filmer. Il filmait tout ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai que tu parles quand même. Attendez, c'était un éclair. Hein? Attendez, je pense que c'était un éclair qui est apparu là. Un éclair. Bon, mais tournez. Bon. Regardez-vous, regardez. Nous allons essayer d'aller image par image, mais ça, de voir bien ce qui va se passer. Voici les gens qui sont ici. C'est pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Mais heureusement que c'était filmé. Hein? Juste derrière, vous allez voir un éclair. Ça va apparaître très rapidement. Ouh, vous avez vu ça? Ça a apparu rapidement. Oh. Ouais, c'est de bloquer les images si c'est possible. Bon, vous allez voir de vous-même. Eh, mettre pause. Regardez bien. L'éclair. Vous avez vu comment l'éclair arrive une seule seconde. Mais ça traverse le ciel comme ça. Boum. C'est comme ça de tels problèmes, comme de tels accidents peuvent arriver. Ça peuvent arriver. C'est comme ça. Et comment vous demandez même de vous accrocher à Dieu? C'est pourquoi? Tu peux dire que tu es trop fort ou bien tu es trop prudent. Tu te parles de quelque chose. Regardez. Ce homme veut traverser la route. Peut-être pour lui, c'est le feu rouge. Mais il n'a pas idée de ce qui arrive. Mon Dieu. Le bus est venu cogner tous les véhicules qui étaient derrière. En fait, bon, revenons un peu en arrière. Vous allez voir. Nous allons bien voir. Mon Dieu. Donc, comme vous voyez, le monsieur, il pense que c'est... Bon, il a vu déjà le feu rouge, donc il s'est dit qu'il a le droit de traverser. Les véhicules, mais sont bien positionnés ici, bien stationnés. Il s'est dit, bon, ok, c'est normal. Mais il n'a pas idée qu'il y a un véhicule qui arrive derrière, dont le frein a lâché. Et ce véhicule-là est un gros véhicule comme ça, de transport en commun, qui arrive. Regardez, ouh, on peut dire que... Ouh, regardez ça. Il n'a même pas idée. Même personne ne s'y attendait, même celui avec qui conduisait le véhicule en déplacement commun ne s'y attendait pas. Regardez. Oh, shit. Wow. Regardez ici, la fille, elle est tranquillement en train d'essayer de traverser le chemin. Elle regarde, bon, cette personne, elle regarde peut-être à gauche ou bien à droite. Elle se dit que la mort se trouve peut-être à gauche, sans savoir que la mort se trouve même près d'elle, qui est à droite ici. Ah! Regardez! Ouh! Et c'est une maman même. Maman des gens. Regardez! Regardez le gars même qui est ici. Qu'est-ce qu'il a été de faire? Mais pourquoi est-il
en train de bouger subitement comme ça. Moi, je ne le comprends pas, mais regardez bien. Personne ne veut mourir. Regardez comme il a été fait le truc. Regardez comme il a été même sauté. Regardez, il marchait en choco. Hein. Il marchait même en choco. Il n'a même pas été de ce qui arrivait. Mais quand vous voyez le danger venir, mes frères et sœurs, ne soyez plus choco. Hein. Ne soyez plus choco. Fuyez. Fuyez la mort. Fuyez le péché. Comme ce gars-là. Mais regardez bien. Regardez, il marchait bien, bien évidemment en choco. Hein. Tranquillement. Là, son chocoya est fini. Et il a eu mal au pied. Il a eu mal au pied. Dis à ton frère qui a écouté, ça fait mal. Dis à ta soeur qui a écouté, ça fait mal. Partage cette vidéo, elle a qu'à voir. Pour qu'elle comprenne que la vie qu'on a, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et il faut prier. Il ne faut jamais te taper la poitrine pour dire, oh, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est mon grand-père, c'est mon grand-père. C'est pas de la blague. Nul ne sait ce qui peut, ce que qu'un jour peut enfanter quoi. Mais regardez encore. Accident. Et le monsieur qui est là. Ah, Seigneur Jésus. Qu'il remercie Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Mais quand on travaille de telles situations, Dieu a fait de telles merveilles pour nous. Mes frères et sœurs, nous devons nous mettre en genoux. Et dire merci, merci, merci Seigneur. De tout mon cœur. Merci. Parce que Dieu nous témoigne son amour pour nous au travers de ça. Cet homme a une famille. Ah, maman a mis du chaud, chaud là. Sa famille allait se mettre à pleurer. Parce qu'il est mort. Non, Dieu merci, merci Seigneur. Si vous avez vu ça. Bon, regardez, regardez même ici. Regardez les gars qui sont là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire même là? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le passage d'un train? Apparemment, il y a des barrières à plusieurs niveaux ici. Et apparemment, ils doivent attendre. Attendre quoi? Bon, regardons ça. Ouh! Mon Dieu. Dès que la femme a sorti la tête. Revenez un peu en arrière. Dès qu'elle a sorti la tête de là où elle était sur la barre, dès qu'elle a quitté le chemin net, le train est venu. Regardez la personne qui est ici là. Cette personne est venue se mettre devant la barrière. On dit qu'il y a un train qui arrive. Ah, personne ne doit se mettre devant. Elle, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris ce jour-là. Peut-être elle voulait bien voir si le train va venir ou bien le train va pas venir. Ah, l'erreur de sa vie. Heureusement qu'elle a pas. Elle a eu. Oh mon Dieu. Ça vraiment. Parfois les gens font des trucs chelous. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand on dit que les gens font des trucs chelous, ils font vraiment des trucs chelous. Regardez même ça. Surtout, ils roulent en allant à l'arrière ou quoi? Ou bien ils se voient Michael Jackson? Ah! Tu es Michael Jackson ou quoi? Tu roules en allant à l'arrière. Et tu as failli cogner le papa des gens. Peut-être le grand-père des gens. Regardez encore ça, regardez vous-même. Aïe, 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 vous avez vu ça, vous avez vu ça. Attendez, vous venez un peu en arrière, vous venez un peu en arrière. Regardez très bien. Michael Jackson. Maintenant, regardez ici. Boum, percussion. Oh mon Dieu. Et ces deux personnes qui étaient même à côté n'ont rien eu. Mes frères et sœurs, c'est comment? Ce qu'on dit, c'est comment? Comment vous sentez? Est-ce qu'on a bien fait de vous montrer cette vidéo? Je pense qu'on a bien fait de vous montrer cette vidéo. Cliquez tout sur j'aime. Partagez-la. Appelle ton cousin. Il faut dire, cousin, viens voir un truc. Appelle ta cousine. Il faut dire, cousin, viens voir un truc. Non, si tu n'as pas de cousin. Et puis, tu n'as pas de cousine. Faut te mettre à prier en même temps. Tu dis Seigneur, viens, on voit ça ensemble. Merci Seigneur pour tout quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Même le 12 août dernier, une star a eu un accident ici. Bon, en fait, elle a eu un accident le 11
Et le 12 août, elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y a un véhicule. C'est-à-dire cette star-là où elle aime beaucoup rouler des motos, les motocross, là où elle cross moto. Et ce jour-là, elle est à grande vitesse. Un carrefour. Le véhicule est passé juste là, c'est-à-dire à quelques secondes avant son arrivée. C'est venu avec son véhicule derrière. C'est venu avec sa moto. Percuter le véhicule. C'est-à-dire, la moto venait comme ça. Dès que la moto a percuté le véhicule, c'est ça qui se trouvait en haut. C'est comme un bond. Elle a quitté le moto, elle a fait un saut. Tu ne sais pas combien de mètres avant de tomber. Quand elle est tombée, elle s'est un peu relevée. Ça fait mal de voir d'entendre des trucs pareils. Mais c'est une chose qui peut arriver. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde que Dieu a créé. C'est Dieu, c'est la tête de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous devons tous nous accorder avec Dieu, afin que Dieu puisse nous aider. Quand les gens voient ça là, ils vont prendre des barres de protection en même temps. Ils demandent à bas de protection de les protéger contre l'accident. Certains vont prendre des barres de protection. Ils disent à la barre, tu sais, il faut me protéger. Tu sais qu'il y a un moteur dans le véhicule. Dès que je monte dans le véhicule et que tu sais qu'il y aura un accident, il faut bien serrer mon doigt afin que moi je puisse descendre. La barre de protection, c'est de dire, ok, il n'y a pas de souci. J'ai compris. Mais dans ce jour-là, tu n'as pas monté dans le véhicule. Il a même monté dans l'avion. Il a monté dans l'avion. L'avion mettait en haut là-bas, dans l'air là-bas. En bas, là, c'est l'eau, hein, les requins. Maintenant, la bague de protection est en train de te serrer son doigt. Il n'y a pas de parachute. Ah! Bague de protection. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu veux que les requins me bouffent ou quoi? Frères et sœurs, nous devons nous accrocher à Dieu. Les barres de protection, tous ces genres de choses-là, ce sont des trucs qui ont des limites. Toutes ces choses ont des limites. Le Seigneur Christ offre une protection par excellence et gratuitement. Qu'en pensez-vous? Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, entre tes mains, je remets ma vie. Protège-moi et éloigne de moi tous ces vilains problèmes. Veille sur ma famille, veille sur mes enfants, et que toi-même tu sois au centre de tout dans notre vie. Amen. C'est tout. Ta mère, tu t'as pas entendu. Ta mère t'a entendu, c'est quoi ça? Dieu aussi t'a entendu. Et il t'écoute. Il exaucera ta prière. Et il faut toi aussi faire beaucoup de choses qui vont t'aider. Ne cherche pas les femmes des gens. Si j'ai une femme, ne cherche pas les hommes des gens. La femme, elle est dans son foyer là-bas, elle a travaillé dur pour garder le monsieur. Toi, tu vas prendre le cœur de ce monsieur-là. Et puis, tu joues au ping-pong avec. Et elle est là en train de pleurer à la maison. Est-ce que toi, ça te plaît? Toi, tu aimes bien ça. Donc, toi, tu aimes bien ça. Ah, ma soeur, il faut arrêter ça aujourd'hui. Il faut arrêter ça. Quand tu es dans cette situation-là, le diable et ses démons même sont même en train de prier pour que toi, la mort même, tu pries dans ça. Et même plus même pour que l'accident comme ça t'arrive. Mais si tu as encore envie, c'est la grâce de Dieu. Réponds-toi. Abandonne ta mauvaise foi. Parce que nous savons que tout ce que les gens ont fait sur la terre ici-là, tous ces choses vont les retrouver après la mort. Après la mort là-bas. Nous tous, on va aller pour payer tout ce qu'on a fait de mauvais ici. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Que Dieu me pardonne en premier. Seigneur, pardonne-moi. Avant de pardonner les abonnés. Bon, Dieu est juste. Il va tous nous pardonner, ok? Ah, mon frère, faut croire. Est-ce qu'on se connaît? Bon, on se connaît maintenant parce que tu as plus d'un autre avec moi. C'est bien. Nous sommes en famille.
Tu dois prier pour moi, moi aussi je vais prier pour toi. Nous devons nous soutenir. C'est comme ça que ça se passe. Mais le salut est personnel. Vous-même chez vous dans votre chambre. Faites ce qu'il faut pour que Dieu mette sa main sur vous. Si toi-même tu dis à Dieu, non, Dieu, je suis fatigué, tu m'as trop protégé. Maintenant, il faut prendre. Faut te reposer. Faut te reposer. Et puis tu vas te mettre à faire les péchés, chercher les gens, les copines, boire n'importe comment. Et aller conduire. Tu vas te mettre dans des problèmes. On dit de ne pas conduire à l'état d'ivresse. Tu dis non, tu es trop fort, tu vas boire et aller conduire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il faut écouter ce qu'on te dit. Les conseils des gens vont te sauver un jour la vie. Seigneur Sobon, il y a tout ça. Et quand tu cliques sur ce bon nom, sur cette vidéo, tu as accès à la page d'accueil où tu vois nos trois chaînes. Ha! Ce qui arrive là-bas, c'est du lourd aussi. Qu'en penses-tu? Abonne-toi maintenant, active la cloche et partage la vidéo si ce n'est pas encore fait. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go! C'est parti. Que Dieu bénisse et qu'il vous protège! Wouh! C'est extraordinaire!